Il y a vraiment un temps pour chaque chose. Maintenant, Jenny Kobina peut très bien respirer à travers sa statue qui se trouve dans la commune d'Adjamé à Williamsville. Et cela est devenu possible après le passage du gouverneur Cissé Ibrahima Bakongo qui a mis de l'ordre au carrefour Williamsville. À ce carrefour, les installations anarchiques ont été démolies. Et comme dans la vidéo, vous pouvez voir déjà, les travaux d'aménagement du site ont déjà commencé. Et les travaux ne sont pas encore finis, mais la beauté de l'endroit se fait voir déjà. Donc, c'est juste vous dire que le dépecissement sur certains lieux dans le Grand Abidjan n'est pas fait contre qui que ce soit. Ce n'est pas pour causer du tort. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui tend vers l'émergence. Donc, sa capitale économique doit refléter l'image d'un pays émergent. Et pour montrer cette image-là, il faut que l'ordre soit rétabli, il faut que les endroits soient embellis. Donc, comme vous pouvez le voir à ces carrefours-là, vraiment, les travaux d'embellissement et de la mise en ordre est vraiment salutaire. Vraiment, merci à Monsieur le Gouverneur. Repose en paix, Jenny Kobina.